Victoria Beckham est prête à tout pour conserver une peau lisse et soyeuse. Quitte à devoir s'infliger un soin anti-âge réputé être extrêmement douloureux. CST a révélé un proche de l'ancienne Spice Girls. En prime, elle cumule les produits de beauté peu ragoûtants. Zoom sur ce rituel très très spécial digne d'un film d'épouvante. Il faut souffrir pour être belle. Ce dicton, Victoria Beckham en fait une signature personnelle. Pour rester jeune, cette célèbre wave ne lésine pas sur les moyens et se soumet à une hygiène de vie ultra stricte. Séance de sport intensive, régime basse calorie. La femme des David Beckham ne s'autorise aucun excès. Idem pour sa routine beauté qui s'avère de l'ordre de la torture. Selon une source proche de la starlette, cette mère de famille est prête à tous les sacrifices y compris à s'infliger un soin anti-âge atrocement douloureux. Âme sensible s'abstenir. Cette technique réservée à l'élite n'est pas faite pour les petites natures. Pour conserver son capital cutané et une peau zéro défaut, l'ex-Spice Girl a jeté son dévolu sur le top du top en matière de soins du visage, le Morpheus 8, une méthode radicale qui associe la radiofréquence fractionnée et le microneedling pour raffermir l'épiderme. Elle s'applique une crème anesthésiante sur la peau 90 minutes avant son traitement avant de recevoir pas moins de 24 aiguilles de 4 mm insérées dans son visage, explique son ami Hawson. Loin d'être une partie de plaisir, cette technique provoque des bleus pendant au moins 2 jours. Mais il en faut plus pour refroidir cette beauty addict qui cumule les tentatives douteuses pour rester jeune. À l'instar de cette crème réalisée à base de son propre sang, un remède censé régénérer les cellules pour la modique somme de 1 400 $ le pot. Toujours à l'affût des dernières tendances, le top n'hésite pas à écumer le marché cosmétique. Soins à base de fœtus de mouton, crème à la fiente d'oiseau. Rien n'est dégoûtant tant que CST efficient. Le régime draconien de Victoria Beckham avoir le summer body d'une Spice Girls, ça se mérite. Attention, le régime Beckham n'est pas franchement compatible avec le terroir gourmand. Lors d'une interview accordée au podcast Rivetable 4, David Beckham avait donné quelques précisions sur les habitudes alimentaires de son épouse. Depuis 25 ans, cette ancienne star de la pop se cantonnerait au même repas, des légumes vapeur et du poisson grillé. Un menu strict qui n'a pas l'air d'emballer le footballeur, je suis très sensible à la nourriture et au vin, quand je mange quelque chose d'excel, je veux que tout le monde y goûte. De la mémoire du père de famille, son épouse n'aurait commis qu'un seul écart durant sa dernière grossesse. La seule fois où elle a probablement partagé quelque chose qui était dans mon assiette, c'était en fait quand elle était enceinte de Harper et c'était la chose la plus incroyable. C'était l'une de mes soirées préférées. Je ne me souviens pas de ce que c'était mais je sais qu'elle n'en a plus mangé depuis, avait-il confié. Times through the rough times I've been.